Yo, C'est West. Allez on est parti, euh, j'ai vu qu'on n'avait pas trop le temps, du il n'y aura pas d'intro, on va commencer direct hein. Ok. Donc je... En fait le, le coach est pressé donc on commence directement. C'est une extreme. Merci Cephilias pour le seul, merci beaucoup. Allez go Allo allô Allo allô, salut, tu vas bien <laughs> Très bien et toi Eh bah ben, écoute, ça va, ça va mieux, j'ai fait une petite pause, t'avais besoin là Oui, j'ai cru comprendre. Hein Je disais, je suis désolé pour mes horreurs si j'ai des oreilles chiants pour toi. Non, non, t'inquiète, c'est pas... Non, en vrai, ça va, hein. euh, Franchement, je peux je peux m'y faire. Merci beaucoup pour les salaires, merci, merci, merci Nox Prime. Euh. On y va, du coup, t'es pressé, je crois Euh. Ouais, je... sur ouais, web bah, une heure. Hein. Ok, heure, alors, et puis après, donc très rapidement, euh, du coup tu es C1 actuellement, c'est quoi ton pic Hello euh, bah, bah, c'est C1 justement Ok, t'as pic cette oh. saison là euh, C'est depuis une saison, une, depuis, okay. en fait depuis euh, février dernier, donc du coup euh, je suis C1 Et euh, mon pic MMR c'est 1150, sinon je fais que de traîner à 1100 à peu près, avec euh, le même mate okay. Tu joues en duo Q, du coup, c'est un joueur de ton niveau euh oui c'est ça C'est un pote avec moi qui du coup est sur ton live euh, Là actuellement enfin il est sur le point de s'y connecter Ok très bien euh, C'est quoi ton pseudo sur Twitch C'est Mathéogène je vais écrire Ouais je veux bien que tu dises un truc Et le pseudo Twitch de ton pote c'est quoi Euh Je vais te dire ça tout de suite Merci Zegui Hop oh, je viens de t'écrire c'est moi Ok impeccable Euh et donc ton pote, te faudra me dire qui c'est, comme ça je pourrais... Euh, ouais, c'est ça, ouais, je vais le, lui laisser le, le message. Le coaching laisser, plutôt sur toi ou plutôt sur euh, les deux euh, Lui, il a pris... Euh, il faut savoir que euh, lui, il a pris un coaching aussi, donc c'est Diamond ah, Eyes. Ah oui, toi. il m'a dit Bah écoute, je focus sur toi, et euh, mais je le garde à l'œil. Hein. Et euh, lui, quand il aura son coaching, je me focuserai sur lui aussi, c'est rigolo. Mais vous étiez, vous étiez même pas concerté euh si si, euh, okay, en fait okay. on joue toujours depuis deux ans ensemble okay, okay. et puis donc du coup bah, on a pris un coaching ensemble Ok bah c'est stylé, impeccable, donc focus sur toi, ton pseudo in-game c'est quoi C'est Gromad53 Gromad53, ok, tu joues combien d'heures par jour et combien de jours par semaine Euh en moyenne deux heures par jour, Ouais. Euh, tous, tous les jours à peu près Ok oui ça m'étonne pas, parce que si tu montes en Hello euh, vu l'état de, de la saison en ce moment c'est que tu dois jouer beaucoup Ouais, c'est très compliqué quand même de monter. Oui, c'est normal, t'inquiète. Euh, beaucoup ont beaucoup baissé. Euh, très bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Comment ça se passe quand tu joues Tu fais un peu de freeplay ou tu pars direct en ranked avec ton pote alors, alors, pas du tout. Ouais, voilà, c'est plus ça. En fait, mon, mon pote et moi, on fait 2-3 games de casu, histoire de s'échauffer, puis après, on est full ranked. Genre, on va jamais en freeplay, on fait jamais de freeplay. Ok. Mmh. Vous, vous regardez un peu les coachings, j'imagine euh, Moi, oui, j'ai déjà regardé plusieurs fois. Ok et euh, ok, ok, Impec. et bah écoute, on est parti Du coup tu tu as, tu as que à te mute tout simplement. Euh... Tu sais faire ou pas mettre en sourdine sur Discord, c'est en bas oui. à gauche. Et puis tu regardes euh, le live, oui, tranquille, t'hésites pas à te démute à tout moment ou si je te le demande, ok Hop d'accord. Euh... Ah voilà, d'accord. Ok très bien merci. Impec j'attends que tu te mets en sourdine et puis on est parti. Voilà, il a trouvé impeccable. Allez, let's go! Alors, bon, je rappelle évidemment qu'on ne juge pas un joueur sur une seule game, surtout cette saison en ce moment, euh, c'est particulier. Les Guess My Rank, hein, difficile de faire la différence entre, entre les hello, c'est un petit peu le bordel. Euh, et puis, euh, voilà, un rang, c'est un ensemble de games, pas une seule game, ok? Ça récompense la régularité, hein euh, si, si des mecs prennent beaucoup de risques dans les games et font beaucoup de mécaniques, ils sont capables de faire des games de fous furieux mais à côté d'en perdre énormément. Alors qu'un type qui joue bien régulier et tout aura tendance à plus monter en hello qu'un type qui met des buts de fou, vous voyez? Donc voilà, donc on ne juge pas évidemment le hello. Euh, on est parti, on est sur Gremat, et donc c'est de la duo vocale. Salut tout le monde. Merci le ouf, merci beaucoup. Ok, alors... Ok, On dirait un début de speed flip. Honnêtement, il n'y a vraiment aucun problème à ne pas savoir le faire correctement. Euh, C'est en cours d'apprentissage, ça va dans le bon sens. Ton mate, il est en train de challenge. Ok. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire sur ton backup. Donc là, tu es bien derrière ton mate, tu as du boost. Au moment où il challenge, tu es prêt à aller vers l'avant. Tu vois l'adversaire, tu rotate back. Là, tu challenges. Ensuite tu vas aller te repositionner, t'as pris le boost en avant, alors ça c'est peut-être un peu, un peu greedy en vrai. N Oublie pas que, bon en vrai il est juste là mais là, le challenge tu vois, il est pas vraiment gagné tu vois. Du coup, là il y a un 2v1 si tu t'en vas tu vois. Là par exemple, en vol fourchu, il pourrait aller démo ton pote pendant que Vipers essaie de marquer, tu vois ce que je veux dire. Donc là, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut plutôt prendre les pads et se dépêcher à revenir ou prendre ces, un de ces deux back boosts là, tu vois. Le boost offensif, comme t'as fait là, on a le droit d'aller le prendre si tu vois par exemple la balle elle était partie dans son camp, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, Matteo ça aurait été beaucoup plus legit. Là, tu, tu pars dans le camp pour aller prendre un boost alors que ton mate était tout seul, ça peut le foutre en difficulté quoi. En fait, les boosts offensifs, vous pouvez les prendre quand vous avez l'avantage. Pas quand vous avez pas l'avantage. Tout simplement. Ok. Donc là t'es proche et là ton mate t'as dû te faire un call j'imagine. Du coup tu vas rotailler derrière. Ok, prendre du boost. Ok. Très bien joué. J'ai pas grand chose à dire, on est en C1. Honnêtement là-dessus, euh, pas grand chose à dire. Il y a une option que t'as pas, pas vue. En fait c'est là. Quand ton mate t'a DJ, tu vois. Là ton mate t'a DJ et lui est éliminé. En fait, ce que tu as raté là, c'est que c'est une situation de 2v1. Ce que tu peux faire là, plutôt que de back vite, comme tu as de l'élan vers l'avant en plus, c'est d'aller démo ici et ensuite rotate. Comme ça ton mate qui va sur la balle, il va avoir un open quasiment. Tu vois Donc ça c'est peut-être le seul critique qu'on peut faire sur ton action, sinon c'est assez propre. À savoir que démo c'est pas forcément facile en C1. Là sinon, globalement, il n'y a pas énormément de choses à dire. Hein. Voilà. Dès que tu es là, tu vois ça et là tout de suite tu vas démo vipers, tu vois. Tu fonces sur lui. Et du coup, bah, là il y aurait eu peut-être un open, tu vois. Tu vois. Là, si tu vas bump, c'est une situation très avantageuse. Ok. Mais le bac n'est pas une erreur. Disons que c'est plus safe. Voilà. Là j'aime bien, t'as sauté un peu tôt mais t'as pris ton temps donc... Euh... Alors il vient de crash du live, comment c'est possible ça J'attends qu'il me dise qu'il est revenu. Comment on peut crash dans live On l'avait jamais fait celle-là. <laughs> Salut idée ça va, ça va, je suis un peu saoulé des games de tout à l'heure, mais. Enfin, l'état du ladder, quoi, mais bon, bref. C'est la vie. Vivement qu'on puisse jouer contre des bots. Et qu'on puisse régler le niveau de difficulté des bots. C'est la solution à mon bonheur, ça. Hein des bottes, différents types de bottes avec des comportements légèrement différents mais avec un niveau à peu près équivalent. Tu peux régler la difficulté. Ah, le jeu génial hein, c'est le c'est le comportement des gens, le problème quoi. Ouais, bah en vrai hein, full partie privée quoi. Vraiment, moi, si je peux donner la moitié de ce que j'ai pour améliorer les, les bots... Euh... Ça, je pourrais faire du PvE sur Rocket, quoi. Ça me dérange pas. c'est bon, on peut y aller oui, euh, oui, 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 excuse-moi, mon PC a décidé de crash, euh, comme ça. Ah oui, ok, d'accord, c'est ton PC qui s'est éteint. Ok. Je me disais, comment on peut crash d'un live c'est une page d'Internet, tu vois <laughs> Alors, on peut continuer, pas de problème. Allez, go Ok... Un genre de speed flip On va dire que c'est en cours d'apprentissage. Ici, le dash, c'est mécaniquement assez faible. Mais pour du C1, c'est vraiment très correct, ça joue sur les murs. Hein. Derrière, on se repositionne côté opposé. Et là, il va falloir réduire la distance. Ok, t'as un adversaire qui fait euh, des trucs. Ouais, là, tu fake challenge. T'as pas sauté, j'aime beaucoup le fait que tu sautes pas. Tu sautes pas pour rien. Là, il faut aller prendre des pads, mais peut-être pas le gros boost. Ouais, c'est bien, hein. Il prend le petit pad. Ok. Ouf. Voilà, c'est ton mec qui fait une énorme erreur, hein. Il va, faire, il va prendre le pire challenge eu. Et du coup, tu prends un non-goal. Honnêtement, t'es en position P2, t'as du boost. Peut-être là, réduire la distance plus vite. En fait, là, t'as manqué le moment où tu pouvais avancer, là, tu vois. Là, il aurait fallu que tu t'avances. Tu vois que là, il a pas le contrôle du ballon. Tu vois, c'est maintenant qu'il faut que tu dis j'ai, et c'est maintenant que ton pote doit rotate, tu vois. Envoie-moi des infos, Maxou, hein, si tu veux. Et là, tu vois, du coup, comme t'hésites à y aller, ton pote il ball chase. Et là, du coup, tu te fais punir, tu vois. Le, le ball chasing, il y, y, y a rarement un coupable, tu vois. Ouais, il n'y a pas eu de chance, mais même c'est une erreur le challenge, tu vois. Le, le, le ball chasing, c'est toujours deux, deux personnes, tu vois. Dans une, dans une 2v2, il y a toujours deux erreurs, tu vois. Là ton mate ball chase parce que tu viens pas. Tu vois. C'est vraiment les deux quoi. Ok, bien joué. Tes but. Pas grand chose à dire. Non, il est pas trop éloigné, c'était pas mal. C'est juste qu'il a raté le moment, il fallait qu'il se rapproche. un side flip c'est un speed flip que tu fais ou pas là on dirait un peu un side il est bizarre ce speed flip ok pas grand chose à dire là faut rotate ouais alors tu vois le mieux c'est de pas rotate par là tu vois là t'aurais dû tout de suite te barrer, soit tu te barres par là, tu vois, et si besoin tu turns comme ça, soit tu continues ta course et tu vas devant pour recevoir une passe, tu vois. Là, le problème de revenir là, c'est que tu sèmes la confusion pour ton pote. Regarde, on va se mettre de la vue de diamant, tu vas comprendre le problème. Voilà, il te voit sur la balle, Donc là, il se dit c'est à moi, et là, il te voit là. Et là il te voit là, et là il, il, il te voit et il se demande ce qu'il va faire tu vois. T'as vu il t'a dribblé Tu vois cette touch elle sert à t'éliminer en fait Là il essaie de t'éviter en fait Là il est en train de te battre tu vois Et il a fait une passe à l'adversaire Tu travailles les spicy ok continue alors si tu travailles les c'est bon T'as le droit de pas les réussir hein, clairement Ça prend du temps hein T'as le tuto, t'as tout. Ok, nice shot. Ok. Attention à... Quand tu vois pas ton adversaire, fais gaffe à ton derrière. Là, tu dois tu dois savoir que tu risques quelque chose. Là. Donc si t'as un doute, tu regardes derrière toi ou demande à ton pote. Mais là, il y a un gars qui passe pas loin de toi, tu vois. Là, il aurait pu te démo lui, là. Je pense que t'aurais rien pu faire pour l'éviter. Donc là, attention à bien prendre l'info. Et ne t'arrête pas, tu vois. Ne t'arrête pas. Euh Laisse la place, voilà, et repositionne. Ah, c'est vrai que tu te repositionnes assez ah, vite en vrai. C'est vraiment très correct. Hein. Ah, le petit flip. Ok, alors on absorbe la pression. Ah ouais, mais tu fais aucune erreur C'est dommage. Bon, alors, une erreur mécanique, je dirais. Là, c'est bien de la pousser là. Par contre, il faut que tu la. Là, t'as fait le challenge. Bon, en vrai, non, c'est pas si mal. Hein. En vrai, t'as bien défendu. Hein. Là, t'as absorbé la pression, même si t'es pas très propre, ça reste ok. Ouais, mécaniquement, c'est faiblard là, tu vois. Là, c'est dommage de ne pas pouvoir faire quelque chose, tu vois. T'as vraiment deux gars en difficulté là. En fait, ça révèle quoi cette situation Ça révèle que quand on te fout la paix, parce que là, regarde, il n'y a personne hein, qui te gêne. Ils sont tous les deux en train de se, se replier. Là, cette situation prouve que si on te laisse jouer, bah t'es pas menaçant, tu vois. Il faut que tu développes une menace. Donc là, c'est à toi d'apprendre. Moi, je veux que tu te pointes en game et que tu te dises, bah si j'ai la balle comme ça, tu vois, là, t'as la balle. Si j'ai la balle comme ça... Comment je marque Quelle est ma... Comment je fais pour battre des défenseurs qui m'attendent, tu vois Et si t'as pas de réponse à cette question, c'est qu'il manque quelque chose à ton gameplay. En fait, comment ça se passe dans Rocket League Concrètement, petit talk rapide parce que tu fais peu d'erreurs et que c'est important de comprendre ça. Au début du jeu, tout le monde balance la balle, tape dedans dès qu'il peut, sans réfléchir, le plus possible, ok euh, Avec du gros ball chase et n'importe où, parfois dans son propre but. Ça, c'est les débutants. Il okay. y a une parade hein, à ça. Vous la connaissez cette parade La parade à ça, c'est d'attendre que l'adversaire te rende la balle. Et là, on se retrouve directement en diamant C1. Tu vois C'est la parade aux gens qui balancent la balle. Attendre qu'on lui rende. Comme les gens qui balancent la balle en niveau débutant, et bah euh, ils regardent pas où sont les adversaires, ils font que de balancer. C'est très facile de récupérer, euh, de récupérer le truc. Ouais, j'en ai parlé dans un short. Ouais. Du coup, la parade aux gens qui attendent, bah c'est de plus balancer la balle, c'est de la contrôler et d'effectuer une action dangereuse. T'en es à ce stade-là, tu vois. Là, t'as les deux mecs qui t'attendent, t'as du boost, t'as de l'espace, et qu'est-ce qui se passe Bah rien. Donc ça, tu vois. Il faut que tu développes une menace. Tu dois être dangereux si on te laisse la balle et du boost, tu comprends Si t'es pas dangereux quand on te laisse la balle et du boost, bah un bon joueur en C1, il va s'en rendre compte et il va juste arrêter de te challenge bêtement et t'as perdu, tu vois. Et il aurait dû faire quoi Il y a plein de solutions flic, contrôler, euh, dribbler, euh, bounce dribble. Là c'est un peu mieux déjà. C'est un petit peu mieux en vrai. Ouais. Mais ça reste un peu faiblard. Oui. Très propre. Putain ça, ça, ça joue propre hein. Mm -hmm. C'est faible hein. C'est faible mécaniquement. Pas besoin de booster au moment de tirer ou vraiment au dernier moment, tu vois. Ne te mets pas en difficulté toi-même, quand tu décides de tirer, faut pas que t'allumes tous les moteurs, tu vois. Fais-le proprement, tire bien. C'est un peu un tuto game pédagogique, c'est hein, ouais. Ouais. Bon. C'est clair sur le côté. Ton mate n'y va pas, du coup tu te rapproches. Ah hein, l'open net, il est dedans, je pense. Ah euh, non. Alors ça non. Tu vois là tu fais une erreur. C'est maintenant que tu dois aller prendre le boost offensif, tu vois. La balle est dans leur camp, t'as l'avantage. Tu prends le boost, t'essaies de faire une passe ou tu back, tu vois. On ne reste jamais à zéro boost à, à un endroit comme ça, tu vois. Il faut que tu apprennes à, à abandonner. Quand c'est raté, c'est raté. Là, t'as raté ton open, ça arrive. Ouais, t'as manqué de boost pour l'open, je sais. Ouais. Mais au-delà de ça, peu importe pourquoi, même si t'avais du boost, on s'en fout. Le problème, dans... le problème dans cette action, c'est pas que t'es raté l'open. hein. En vrai, rater l'open ça arrive à tout le monde. Hein. En vrai, euh... on s'en fout, tu vois. Même si t'avais du boost et que t'avais raté, c'est pas grave. C'est pas une erreur, t'as essayé de tirer, t'as raté, ça arrive. Honnêtement, ça on s'en fout. Ce qui est chiant, c'est que tu restes sous la balle comme ça. Tu t'arrêtes, là tu devrais te faire mots, en vrai. Là normalement tu te fais démo. Et, euh... et que tu fasses ça, tu vois. Et ça c'est vraiment pas terrible, même si en vrai tu t'en sors bien. Tu vois Il faut tout de suite que tu retites et que tu te repositionnes. Je m'en branle de la raison du lag, Spud. On s'en tape de pourquoi il a raté. L'erreur c'est pas d'avoir raté ici. L'erreur c'est pas d'avoir raté l'open. Pas une erreur de rater un open, c'est normal, surtout en C1. Ouais. Repositionnement côté opposé. Dommage. T'avais le temps. Oh là là, t'es trop près. Oh t'es pas très réactif là ouais. Là le problème je dirais que c'est que tu, tu manques un petit peu de réactivité là. Là t'aurais dû décoller pour le coup. Ton mate a raté donc il faut que tu back up. Là tu vois ton problème c'est que... Tu te rends compte qu'il va y avoir un tir trop tard, tu vas regarder. Là tu dois regarder ton mate et la balle. Là tu regardes la balle, et là tu te rends compte qu'il y a un mec tu vois, c'est que là que tu t'en rends compte en fait. Essaye de bien te forcer à prendre de, de, de l'information, tu vois. Là, là, peu importe ce que fait ton mate, ce qui est très important c'est l'adversaire. Là on veut regarder l'adversaire là. Et là si t'avais vu l'adversaire et la balle bah t'aurais pu décoller et prendre un 50-50 tu vois. Là il arrive et t'es en mode putain merde Et là tu, tu veux te barrer et au final tu te fais avoir. Donc là il y a une erreur de prise d'information. Ok Il faut que tu prennes plus d'informations. Je rêve, c'est quoi ça? Un, un fake kick off c'est nul. Cette mec le fake kick off c'est vraiment le, 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 nul à chier. C'est vraiment euh, personne ne marque comme ça. J'ai dû prendre un but en fake kick off de toute ma carrière. Mmh. Bon, pff, pas grand chose à dire ici. Ton P1 a pas été très bon et toi, t'as pas été très réactif non plus. Encore une fois, j'ai l'impression que oui, oui, t'as raté diamant, mais c'est pas le sujet. C'est normal de rater. Moi, quand je fais un coaching, vous savez, je je m'attarde pas trop sur les erreurs mécaniques parce que on s'en fout. Ce qui compte, c'est les intentions. Si t'essayes de faire ce qu'il faut et que tes intentions sont bonnes, le fait que tu rates ou pas, ça n'a pas d'importance. Les là, euh, trop d'hésitation, pas assez d'informations sur ton adversaire, bref, il faut que tu sois plus réactif là. Je pensais que j'avais plus de temps. Ouais, parce que tu prends mal l'info sur les adversaires. Là ça fait deux buts que tu prends parce que tu vois pas, tu te fais surprendre par un adversaire qui arrive. Donc là euh, c'est une mauvaise prise d'information sur le P1 adverse. C'est ça le problème. Ouais, c'est dommage, mais c'était ça qu'il fallait faire, donc bien joué. Facile de bien lire les trajectoires de hein, toute façon. Ok. Là, tu la pousses trop. Tu la rends. Si tu, si une balle arrive fort, ne saute pas. Hein, tu vois, juste contrôle là. Sinon, si tu as peur de te rater, pousse là, mais pas là où il y a l'adversaire. Tu vois. Pousse là sur le mur là. Tu vois. Là, on veut jouer là-bas. Dans l'ordre de décision de making, quand t'es P1, quand c'est toi qui vas avoir le ballon, hein, et que tu vas récupérer la possession, ton idée numéro 1 c'est marquer un but. Est-ce que je peux aller marquer un but avec une mécanique ou est-ce que c'est open Est-ce que je tire Est-ce que si je ne peux pas tirer, est-ce que je peux contrôler pour essayer de marquer en dribblant mes adversaires Est-ce que je pars en l'air pour dribbler mes adversaires en l'air ou au sol Peu importe, ça ne change rien. Hein. C'est la même, même catégorie de, de questionnement. Si tu peux pas, est-ce que je peux faire une passe Si tu ne peux pas faire de passe, ni rien, ni contrôler, ni tirer, ni... Balance, balance la balle, mets la balle à un endroit où il n'y a pas d'adversaire. Voilà. Et vraiment, si tu peux rien, rien, rien faire pour un 50-50, c'est -50. de contrôler pour prendre un 50. Là, tu vois, c'était bien de la, de, la, de la pousser, mais c'est de la pousser là-bas voilà et si tu sais pas où la pousser parce que tu sais pas où sont les adversaires tu peux ni tirer ni faire de passe ni prendre de 50 balancer dans un corner c'est l'endroit où c'est jamais trop grave de la balancer tu vois il ya il a une hiérarchie des choses à faire tu vois donc là il faut challenge hein. Ou fake challenge c'est incroyable des fake challenge sur le mur comme ça J'ai du mal à croire que tu fais pas de 1v1. Ouais. C'est pas nécessairement mauvais. Tu vois là, regarde. Exemple. qu'aurait fait un, 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 un joueur plus haut niveau. Non, c'est pas Open. si tu tires, les défenseurs, ils vont l'avoir là. Open, là vous rigolez ou quoi? Le temps que la balle arrive, c'est safe. Ouais, tu peux redescendre, ouais. Tu te rapproches de la balle comme ça si est tiré, tu ne la tires pas et tu contrôles. Tu vois? Ils sont partis, les mecs. En fait, les mécaniques, elles sont. Là, si un mec te fonce dessus, tu tires. Si personne fonce, tu contrôles. Même un pinch au sol, c'est faiblard. Tu contrôles, tu te rapproches? Plus on se rapproche, plus on peut se rapprocher, mieux c'est. Là, t'es une menace dans les airs, mais si personne saute, t'as aucune raison de déclencher, tu vois. Y a pas trop de choix, hein. Le seul bon choix, c'est atterrir, contrôlé. Brésil lucarne. Non, 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 non. non c'est pas open, là. Regarde, y'a des défenseurs partout, là. Arrêtez de dire open, putain. Mais même un mousti, c'est de la merde! Mais arrêtez avec vos options à la mort moelle nœud là! Expression qui date du Moyen-Âge. Il y a deux gardiens, hein. même un pinch ça passe pas. Hein. Un joueur pro, il neutral jump pour redescendre au sol, puis repart en air-drip depuis le sol. Exactement. Alors même, même le air je suis pas convaincu. C'est tu sais pourquoi? Parce qu'il y a deux défenseurs. Donc avec ton air-drip, tu vas faire quoi? Air-drip bump? Il Y'a un deuxième joueur. Non, je pense qu'il faut contrôler. Balancer la balle sur le backboard et bump le deuxième joueur. C'est ça le top play. Ici. Petite simulation, hein. Là, tu te rapproches close du ballon. Ensuite, tu la touches pas. Tu la contrôles. Un premier joueur te fonce dessus. Tu l'élimines en faisant une grosse passe backboard. Et en évitant lui. Et tu vas bump le gardien, le deuxième joueur qui veut aller prendre cette balle-là. Et c'est open pour ton deuxième mate. Voilà, bon, évidemment, tout ça est très théorique. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire Vu que je régule pas assez bien le single shot, je vais vous tenter. Je sais ouais. Ce que j'explique... C'est Exactement ce que je viens de dire, sky Si C'était sur Internet Explorer, bien vu, mais sinon tu répètes ce que je dis. Donc là pour moi c'est clairement le meilleur option, puisque là le repartir en air dribble c'est assez lent et au final tu risques de te faire contrer par le premier joueur et si tu le bump, ça fait une passe au P2. Tu vois, le problème de contrôler et de partir en air dribble ici, c'est qu'il y a peu de chances que ça aboutisse. Ça va rendre la possession au P2 adverse. Voilà, voilà. Bon, tout ça pour dire, parce que bon. Tout ça pour dire que c'est bien d'avoir setup up ça, par contre là tu dois te rendre compte de l'espace où t'es et tu dois, jouer, euh, tu dois jouer dans les espaces disponibles, ok Là le tir est pas si mauvais mais... Euh... Et là encore une fois t'as vu tu prends un boost offensif alors que t'as fait une passe à l'adversaire donc ça il faut vraiment pas le faire. Hein. Tu vois t'es un peu loin... Ouah ça envoie des musties. Putain, il a collé un musty à la fin. En C1 quoi. Il est très patient hein. C'est la force de ton gameplay hein. Je panique pas du tout. C'est rigolo, hein? Il est super solide, hein? C'est fou de voir aussi peu de panique. En fait, moi j'ai une théorie, c'est que plus tu contrôles ta voiture, moins tu paniques. Ce qui est normal, plus t'es en contrôle de ce que tu fais, moins tu paniques. Mais toi t'as pas un très bon contrôle, mais tu paniques pas quand même. Ça veut dire que t'as du sang froid. Merci, euh... euh... goer 12 <laughs> Attends, ça va bientôt faire 4 ans que j'arrive pas à prononcer ton putain de pseudo. A chaque fois ça me fait rire. Ça fait 47 mois que j'y arrive pas. Et je sais plus. Tu me l'as déjà dit cinq fois. Mais à chaque fois, je confonds avec ce que. Enfin, c'est une catastrophe. J'ai envie de dire GR12. et 12 Ah, c'est et 12 go et 12 J'y arrive pas. Bob, ouais. Merci, Bob. Ouais, je pense la première fois, je l'avais. Goer, ouais. Goer12. Go R12, ouais. Je sais pas pourquoi je veux dire gire maintenant. Merci Dr. Skies, pour le merci beaucoup. Vraiment très solide ce gameplay. Oh, il y a un petit coup d'œil derrière là. Incroyable. C'est fou comme t'es bon théoriquement. Bah, c'est pas que théorique. Tactiquement, c'est très correct. Petit dribble du mate. Ah, c'est dommage d'être aussi faible dans les duels, hein. En vrai, lui, lui, lui c'est musty, musty quoi, c'est le smurf de Musty. Ça casse les couilles, il fait que ça. Chacun a son délire en vrai, on juge pas. Ils sont pas mal ces Musty. Ils Musty mieux que moi, c'est pour ça que je suis jaloux. C'est ton seul, c'est ton seul... C'est ouais. rigolo, hein. C'est rigolo, hein. Qu'est-ce que tu joues bien et à la fois qu'est-ce que c'est nul. C'est mécanique, hein, c'est dommage. Il hein. y a un gardien là, tu peux pas faire ça, hein. C'est fou, hein. T'as vraiment très bien compris, hein. T'as très très bien compris le jeu. Mais, mais là, il faut contrôler, en fait. Pourquoi pourquoi tu veux... T'as le temps, là, lui, il va arriver, mais pas tout de suite. T'as le temps de la contrôler, de te rappro Rapproche-toi Tu tires de loin. Tu fais un long shot contre un mec qui défend au goal. T'as créé un open, ouais. C'est qu'encore une fois, t'as du mal à prendre l'information. Les recoveries sont pas terribles. Hein. Mais tes accélérations sont bien. Le double front flip comme ça là, comme t'as fait là, c'est très bien. T'aurais pu prendre plus de pads. On peut critiquer la ligne de pad ici. T'as le temps de prendre une ligne de pad. Bon en vrai t'as 48 donc c'est ok. C'est pas non plus euh, mauvais. Tant que t'as assez pour challenge ici, voilà, donc c'est le cas. Et on se repositionne tout de suite. Ah, c'est dommage de balancer à la vaguelette. En fait, ton premier logiciel, t'as vu ton premier réflexe quand t'as une balle, c'est de taper dedans. T'as remarqué Ça devrait pas. Quand on n'a pas d'infos, on reste proche de la balle. En plus, surtout à ce vélo où les gens jouent loin, tu vois. Un réflexe comme ça à haut niveau, il est compréhensible parce que dans le doute, tu balances, tu vois. Parce que tu sais qu'un mec va te foncer dessus. J'essaie de contrôler. Ah ouais On que c'est que t'as raté ton contrôle. Alors. Voilà, c'est bizarre ton front flip, tu vois. Tu vois le, le réflexe de balancer direct c'est vraiment l'erreur. Faut tout de suite. Franchement on sait 1 hein, ton réflexe ça doit être de bounce dribble tu vois. Pousser un peu la balle en l'air mais pas trop loin. Ouais Sans saut elle est bien hein Panic jump un peu. Tu vois t'as fait une passe à l'adversaire et ça aurait pu être dramatique là. Le petit pad, allez ah, tu vois là t'as un peu plus de temps. Tu gagnerais, tu gagnerais à prendre un peu plus tes pads forcément. Ah il faut y aller un hein, tant pis hein. Oh ah, tout le monde s'attend Oh waouh pourquoi tu tires à la limite tu fais un pointu là. Hein. Ah, le tir, il est faiblard. Je sais que t'as pas de boost, mais... Voilà, là, vous, vous roulez dessus, c'est dommage. Il y a un petit peu de panique, je pense, à cause de l'overtime. Et, et quand même, tu retakes dans le bon sens, tu te repositionnes. Le positionnement, est bon. Là, t'as eu un lag là. Waouh, 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 waouh. Ok, j'ai vu le lag là. C'est fou comme t'as bien compris le jeu. Ah là, il light cut, c'est la panique un peu. mate fait tactiquement beaucoup plus d'erreurs que toi. Mais il a l'air un peu meilleur mécaniquement. Waouh, mais ils mettent des touches de l'enfer. Hein. Vous vous rendez compte la différence de mécanique entre envol fourchu et, 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 et les autres oh, Il va quand même marquer. La différence mécanique, il y a 1000 a heures d'entraînement de freeplay entre vous. Hein. C'est fou de croiser... Euh, à bas niveau on peut on peut voir que la tactique ça marche bien, mais là tu vois on commence déjà en C1 à arriver à les limites d'un bon joueur tactique. Tu vois. Vas-y, uh, dire toi tu fais. Ouais. ouais bon alors, bon et comme je disais hein, tactiquement, t'es super au point hein. Tu trouves Ah ouais. Non non, il y a eu des petites erreurs, il y a ces boosts vers l'avant que tu prends des fois qui sont un peu... Euh, qui sont un mais peu... Euh... Euh... Je pense que c'est lié au fait que tu as l'habitude d'avoir des games lentes, donc tu te fais pas trop punir pour l'instant, parce que le jeu est lent. Mais plus tard, ouais, si ouais, tu te barres comme ça en laissant ton mate tout seul prendre un boost offensif, euh, tu vas avoir des mauvaises surprises. Hein. D'accord, ouais, je vois. Tu vas ton mate va se faire bump, il va y avoir un open et tu vas t'en prendre trois comme ça et ça va te passer, tu vois. Genre mais autant tout de suite le, tu vois, arrêter de prendre cette mauvaise habitude. Je pense que ça c'est ouais, une habitude comprends. que tu prends à bas niveau parce que ça va. Mais à plus haut niveau, en fait, tu peux prendre un boost vers l'avant après une action uniquement si tu vois la balle est dans leur camp ou ton mate à la balle, tu vois, ou va à la voir ou que ça va, tu vois. Là, tu peux faire le petit détour, t'as le temps. Euh, mm -hmm. Si ton change il est perdu ou que ça rend la balle à son ou p2 adverse, tu vois, bah non là, tu tant pis, tu prends des pads, tu te dépêches de revenir parce que bon, tu vas, tu, mm -hmm. tu sinon ton mate il est tout seul quoi, ça ça fait un 2 v1. Donc, on laisse jamais ouais. son mate en 2 En vrai, autant que tu prennes l'habitude dès maintenant, comme tu un bon niveau tactique, tu vois, un mec qui, qui ferait plein d'autres erreurs, je lui signifierais même pas, tu vois, ou je lui dirais vite fait, j'insisterais pas. Mais toi, il y a quand même pas beaucoup d'erreurs, donc euh, il faut gommer tout ce qui est pas nickel, tu vois. mais c'est pour ça, des fois, j'analyse un petit peu mes games, bon, ça arrive pas souvent non plus. Mais après, j'ai suivi beaucoup de coaching aussi euh, ce que oui. as, de ce que t'as mis sur YouTube et même ce que tu fais en live. Hein. C'est, 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 <laughs> Et d'ailleurs, comme t'as pu remarquer, mon mec et moi, on est, on est plus team cerveau que mecha quoi. Ah, ouais. alors, en mecha, en on est quand même assez faible. Mais c'est qu'à là, pour le moment, je, tra je traîne pas encore plus tes mecha parce que je suis sûr qu'on peut aller plus loin sans mecha. Je pense que tu peux aller un peu plus loin, mais il faut quand même que tu aies autre chose que le tir, tu vois. Genre, il y a plein de situations où tu, où tu dois... En fait, tu dois apprendre à... Là, ton problème principal, c'est que tu n'arrives pas à battre des joueurs qui ne se jettent pas sur toi. D'accord. Tu dans la situation, ouais, ce gars qui peut gagner des challenges, qui peut faire des petites aériennes à simple jump de qualité. Je suis presque sûr que tu sais que tu as étudié comment challenge et que tu dois gagner beaucoup de tes duels. J'en ai pas vu beaucoup, mais je te fais confiance. Je suis presque sûr que tu arrives à battre des mecs qui... Quand les gens viennent à la castagne avec toi, je suis presque sûr que tu vas gagner tes games, mais contre des types patients qui vont juste attendre, qu'est-ce que tu as à leur proposer à ces mecs-là Et le peu de fois où t'étais... En fait, les situations dans lesquelles t'étais le plus favorable, c'est les situations où tu t'es mis dans la merde tout seul, parce que les mecs t'attendent en face, comme t'as pas de bonne méca où tu peux prendre ton temps pour bien contrôler, tu rends la balle et tu commites dans le camp d'en face, t'as un gars qui se fait contre-attaquer, je pense, tu vois. D'accord. Dans bah, Et... ce replay, peut-être que je vous rends un peu plus la balle, mais généralement non, je la contrôle. Même des fois, je ouais. devrais la balancer alors que, je la... alors que je décide de la contrôler. Puis des fois, je me prends des billes comme ça, quoi. Parce okay. que j'ai pas vu qu'il clip il arrivait. Moi, je trouve que t'as une très bonne patience, mais t'as du mal à prendre de l'info sur le P1 adverse. Ouais. Et ça te fait des mauvaises surprises. Alors, t'as pris des dunks t'as as pris des. T as quand même été pas mal surpris par la présence du P1 adverse. Donc, moi, je pense que toute la clé là, de ton amélioration court terme. Euh, c'est vraiment essayer de mieux appréhender la distance dont tu disposes en prenant une meilleure information sur le p1 adverse. Bien Avoir une plus ouais. d'informations sur combien de temps tu disposes. Ensuite, essayer de jouer dans cet espace-là. Parce que des fois, tu as, okay, as largement bon. la place de contrôler. Et tu décides de tirer. Des fois, tu tires alors que, alors tu, des fois comme tu dis, des fois tu tires pas alors que tu devrais. Mais ça, c'est pas. Ça, Ça veut dire que tu ne sais pas de combien de temps, combien de temps tu disposes pour préparer quelque chose. Mmh, oui, donc, manque d'infos sur le mec qui te fonce dessus. D'accord. C'est là, pour mmh, moi, ton, ton plus gros point faible tactique. Sinon, mécaniquement, c'est très bien tes accélérations, tes recoveries sont un peu dégueux, euh, mais t'accélères bien, donc ça compense. Euh, ton kickoff il est en cours d'évolution, donc ça me va très bien On sait Avoir un truc qui ressemble à un speed flip, c'est déjà bien. Euh, c'est ce qu'il faut, c'est à peu près là où tu dois en être, donc c'est très bien. Euh, les aériennes sont les roquettes, tu fais des trucs depuis le mur, donc ça va venir, pareil. En vrai, sur les méca de base, t'as l'air, l'air, l'air propre. C'est vraiment, voilà. Ouais, La il y a un prise d'infos sur ton P1 pour décider euh, si tu contrôles ou si tu tires ou si tu, voilà. Ces décisions-là, tu vois, qui sont, qui sont assez mauvaises. Et c'est dommage parce que tu bosses cet aspect-là du jeu et il y a plus grand chose à dire pour du C1 en vrai. Après, il faut être meilleur, mmh. tu vois. Décoller plus vite. Mais ce que t'as besoin, c'est de force brute, tu vois. Genre, euh, okay, là, la game, tu la perds parce qu'en face, il a 1000 heures de training de plus que toi. Il a failli marquer avec un musty. À la fin, il vous fait un super power shot euh, qui passe, quoi. Là, il passe en force en face sur la game 1. Ils auraient dû la perdre, tu vois. Ouais, ils ont bien ouais, moins je... compris Rocket League que vous, mais comme ils sont plus entraînés as, euh, euh, en vitesse, en force, en précision, tu vois. Tout ce qui est vraiment euh, force brute, bah ils, ils vous battent comme ça. Et ça, au bout d'un moment, vous ne pourrez pas y couper. Okay, là il y, y a un bon. gros décalage entre votre niveau tactique, surtout toi, parce que ton mate a fait quand même beaucoup d'erreurs, dans cette game en tout cas, mais il euh... y, y a un trop gros décalage là entre votre compréhension du jeu et votre capacité à effectuer des actions dans le jeu. Ok d'accord. Selon Bonjour. moi là. Voilà, voilà. Bon, on va regarder la game 2 évidemment. Mais euh... Euh, oui, ouais. tu des questions Justement, petite euh... oui. remarque par rapport au deuxième et troisième game, du oui. coup. Euh... Donc, du coup, les games, elles sont très récentes. Été... C'était mercredi, du coup. Et euh, il y aura, à mon avis, beaucoup plus d'erreurs parce que c'était une session où, sans rentrer dans les détails, où on a beaucoup tilté. quoi <laughs> Bah, c'est pas mal. On va regarder ce que vous faites, quand qu'on fait de la merde. Genre, euh, vraiment, vraiment... Euh... On, est au... on est au bout de nos nerfs. On voulait plusieurs fois arrêter de jouer, mais on n'a pas arrêté, quoi. <laughs> Ok je Donc, comprends C'était euh, ouais, vraiment vraiment du full <laughs> cool tilt hein. Ok ok bah écoute on va regarder ça ça marche Vas-y je te laisse te mute on enchaîne D'accord et puis aussi j'ai vu en overtime Je suis quand même commencé à beaucoup, à beaucoup plus paniquer Parce que du coup on gagnait oui. 3-1 puis du coup bah, la fourchue le type méca, là, Il a commencé à se réveiller et puis bah, d'un coup Il a commencé à faire de grosses méca Et ça a commencé à passer quoi Ouais. Donc on a, quand même, on a aussi un peu plus paniqué Ah bah écoute on va regarder ça, on va regarder ça. Ok ça marche ça reste très 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 bien hein, Diamant Nice YouTube hein. Je te vois euh, dans le chat euh, ça reste ok. Vraiment. De hein. toute façon, euh, plus vous êtes bon, euh, plus je suis plus je suis chiant, hein. <rire> Normal. <rire> Mais non, c'est bien. Quand on voit le niveau actuel et le nombre de GC, d'anciens GC qui sont coincés en C1, avoir aussi peu de mécanique et être là, c'est que vous êtes vraiment bon en duo, Vous hein. avez une bonne duo, hein. Bah c'est normal, c'est impossible. Les joueurs cerveaux, cerveau, vous pouvez pas solo queue. Là vous avez, vous êtes bon parce que vous êtes deux à bien jouer. Si t'as un mec qui fait n'importe quoi dans ta game, t'as perdu. Genre c'est pas possible. Vous faites que de jouer ensemble, vous avez une bonne synergie, une bonne communication. Vous êtes, vous êtes, vous avez compris à peu près les mêmes choses. C'est normal que vous soyez bon à deux et qu'en solo queue ce soit une catastrophe. Hein. Ça c'est, ça c'est sûr. Là euh, et ça veut pas dire que vous avez pas le niveau, hein. Ça veut dire que vous avez, vous avez mis des points de compétence dans la synergie et dans un certain type de gameplay. Donc vous êtes largement à votre place, il n'y a aucun problème, personne ne booste personne, mais euh, la façon dont tu apprends à jouer te procure des faiblesses, tu vois. La plupart des C1 qui arrivent ici en solo queue, c'est des mecs qui ont beaucoup plus d'heures de jeu que vous, je pense. Euh, qui, ont, qui ont jamais regardé de coaching et qui sont en full mecha, full bonobo, qui full flame leur mate et qui sont persuadés qu'ils devraient être GC, ils ont sûrement 10 fois vos méca et ils ont absolument rien compris au jeu. Mais overall ils ont le même niveau que vous. Parce que leur leur puissance mécanique contrebalance leur, leurs erreurs tactiques. Ça marche Fouro, bonjour à toi. Voilà. Donc euh, là, votre façon de jouer, euh, votre façon de jouer est... votre façon de jouer est... forcément vous donne des avantages et des faiblesses. Là vous avez bossé euh, le positionnement, vous avez bossé euh, des, euh, des façons d'attaquer à deux, vous avez vous connaissez vos faiblesses, vos forces, ça, ça, ça fait que vous avez un vrai niveau à deux, mais ça m'étonne pas que vous n'y arrivez pas en solo queue. C'est normal. De la même manière, un joueur solo queue, tu prends deux, deux dégénérés en solo queue, tu les mets en duo, au bout d'une demi-heure, ils s'insultent et ils, 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 ils arrêtent de jouer ensemble. Salut euh, Mise à zéro. Vous comprenez Parce que c'est pas la même façon de jouer. Merci beaucoup, Force 500 GP, merci beaucoup. Il y a Dr. Skye. j'ai déjà dit merci à Dr. Skye. Allez, on y va. Ok Mmh. Le back boost, bien sûr. On s'applique. On réduit la distance. Fake challenge ici. Bien sûr. Rotation côté opposé, très bien. On s'applique. Le challenge, bien face à la balle, depuis le back post. On essaie d'éliminer, on peut pas. Rotate côté opposé. Ok, prise de pad. Enfin réduire la distance ici. Ouais, mais on se jette pas. Très bien. On voit si on peut pas prendre le boost quand même. Ça va, mécaniquement c'est faible mais c'est bon. Ton mate n'a pas de boost. T'as l'info, as eu le boost, du coup tu challenges. Une fois, deux fois. J'ai pas grand chose à dire là dessus. Hein. C'est très bien. Prise d'épade, on se met derrière le P1, on prend le, le boost ici. Alors là, là voilà, là, là, ok. T'as as, as senti que tu pouvais faire un truc, donc c'est bien. Tu vois que ton mate peut pas aller sur la balle. Là, là t'es P1, tu cuts la trajectoire pour aller mettre une frappe. Pff, franchement j'ai rien à dire. Hein. Honnêtement, euh, c'est juste, euh, juste un tuto en fait. Merci archisocrate. Socrate, merci beaucoup pour, pour le sub. Là franchement j'ai rien à dire sur la... Là tu fais tu fais... tu fais une minute absolument parfaite. Alors là on peut améliorer les touches, on peut améliorer mécaniquement, mais là... C'est littéralement moi qui... C'est littéralement moi qui joue en C1 pour vous apprendre à jouer là. J'aurais pas fait différemment, vraiment. Je peux, je peux savoir à l'avance ce que tu vas faire. Ok Là, il y a une erreur de lecture. Ici. Toujours à hein, cette prise d'info sur le P1 qui te fait faire des erreurs. Là, ton mate, il faut qu'il se barre. Hein. Je ne sais pas ce qu'il fout en marche arrière. Là, quand ton mate est en difficulté comme ça, hésite pas à fake change. Là, là tu ne dois pas hard change. Hein. Mais je pense que tu es surpris. Parce que tu vois... En fait, tu vois pas le, le, le mec derrière ton pote qui fait de la merde là. Désolé, Diamond. <laughs> il est dans le chat, le pauvre. Mais là, là, tu penses que tu peux change alors que ton mate est en train de faire un peu n'importe quoi. Là, si vous prenez un but, c'est complètement de la faute de Diamant qui doit Rotate. Et là, tu vois... Oh, il est pas allé le Bump. Bon. C'est but quand même. Donc là, Diamant, on hein, hein Là, euh, ici, Diamant... Tu peux tenter ça, mais là, c'est raté. Quand tu rates, tu Rotate. Half-Flip, Rotation. Terminé. Hein. Tu dis t'as pas... Là, ça, là, ça, c'est terrible, ça. c'est une catastrophe. Donc là, par contre, t'aurais pas dû sauter, Grémat, tu vois. Si ton mate est devant toi, ne hard challenge pas, tu vois. Oui, non, c'est pas grave. Hein. Mais là, il y a une erreur tactique pour le coup. T'as hard challenge, mais je pense que c'était à toi d'aller hard challenge et c'était à ton mate de rotate. Là, euh, oublie pas la règle des deux R diamant, Quand tu rates, tu rotate. Ne force pas comme ça. C'est raté, c'est raté. Rotate et retourne sur la balle après. Peut-être que c'est là le tilt. Vous n'avez pas assez à, à prendre les balles et ça vous frustre. Et du coup. Euh... Ok. La fameuse marche arrière. C'est correct. Ouais, passe avec le mate prêt à y aller. Ouais. C'est ok, tiers. Ça reste faible. Là, tu vas prendre le boost. Dommage. Et du coup, tu te venges sur celui-là. Quand on rate un boost, on force pas, hein. En fait, vous êtes un peu des forceurs, j'ai l'impression. C'est un peu votre problème. Quand vous êtes énervé. Ouais, c'est un peu normal, hein. C'est ce que fait tout le monde. Là, c'est bien d'être parti, tu vois. Tu peux pas, tu t'en vas. Là, c'est à toi. Retournement un peu foireux, mais. Tu prends ton temps, on dirait, mais t'as raté ton contrôle. Encore une fois, c'est mécanique, là, hein. Les problèmes sont vraiment mécaniques, hein. Allez, go Allez, ah, là, tu prends le boost et tu essaies de le fake challenge. Tu peux pas, tu vas te repositionner. Là, tu peux. Ouais, bump. Ok, t'aurais pu aussi essayer de backpass ici, je pense, même si je déconseille. Là, fake challenge sur le mur, très très bon. Le mec se barre, contrôle. Et là, il te manque un peu un pat, Tu vas prendre ce boost, c'est bien. Dommage, c'est maladroit les mécaniques, c'est maladroit. C'est dommage, tout est bon. Tes, tes idées sont bonnes en fait. Là, t'es fichu. Oh oui, le prêt jump carrément. Franchement, il était pas mal ce prêt jump en vrai. Hein. Comme quoi, t'as vraiment une bonne compréhension de ce qui se passe. Hein. Ah ouais, mais voilà, mais le problème c'est qu'il faut s'entraîner. Hein. Ah là là Deviens coach mon coach Grémat là Mathéo Tu vas t'entraîner Ouais c'est bien joué mais ça reste un peu foireux. Hein. Eh ouais. <laughs> ah c'est rageant. Hein. Ok, il a voulu faire une transit, ton pote, ou un contrôle. On, On est même pas capable de savoir en vrai là. Hein. La mécanique est tellement. Qu'est-ce qui se passe là Ok, ça a été effrayant. Il est parti en squishy save, diamant là. Là c'est plus. Si vous partez en démo, c'est diamant qui doit aller démo et toi qui tires. <laughs> c'est quoi ça Là, diamant va démo. <laughs> Là en vrai, il faut que diamant aille démo et, <laughs> et <toi rire> comment ça, tu doubles Genre t'as mis ton clignotant et tout Par contre, tu l'as doublé par la droite. Hein. C'est retraite permis ça, non Attends, j'ai Paradise. Il est moniteur auto-école. Il la valide pas celle-là. Hein. Y'avait pas de clignot là C'est quoi ce doublage là Mais l'idée du bump est bon mais c'était à, à, à ton P1 d'aller bump. Hein. C'est au P1 de voir qui peut, qu peut bump pour son P2. Là on dirait c'est toi qui as décidé pour, pour Diamant, Bizarre. Là Diamant c'était à toi d'aller bump. Hein. Si ton P1 va pas bump, bah tu back -up, tu vois. Genre, on dirait, t'as voulu prendre des choses en mode putain, ça me casse les couilles. Vous savez, si vous êtes frustré de perdre vos duels, les deux là, Laurel et dit là. Si vous êtes frustré de perdre vos duels, entraînez-vous à gagner <laughs> vos duels. Ça marche aussi. Bah oui, c'est normal. Vous êtes trop faible mécaniquement par rapport à vos adversaires. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est ok, tiers, mais ça va pas aller plus loin. Et ton mate commit. Ça va, il s'en est bien sorti. Le fait d'aller bump. De... Ouah, il est, en... il est enragé là. Ça va être frustrant vos games, hein. je comprends, ouais. Là, c'est pas mal la démo. Allez, lâche cette balle, diamant, baron là. Mais attends, il se, fout, il se fout de ma gueule, lui. La démo est bien, laisse passer ton pote là. Tu démo, tu laisses la balle, tire, but. Eh Un teammate Elle est bonne celle-là, Mandorkel. C'est une évolution de la blague du T. J'apprécie. comme commit P2. Voilà, sans conséquence mais euh... Le bump ici. Ah Et coach, coach Grémat là Bump sur la rotation là Ce travail là. Quand on est en retard sur la rotation, côté opposé on bump le mec au mid. Je bump pas souvent Je vais te retirer ton diplôme de coach hein, si tu bump pas hein. Je suis trop gentil ah c'est surtout, euh... on regarde, on regarde ma game de tout à l'heure là, tu verras, hein. <laughs> tu verras comment ça se passe en, <laughs> en SSL, tu verras, hein. les mecs font plus que ça tu vois, limite maintenant, dans le 1700 les mecs ne jouent plus la balle, tu vois, genre, euh... <laughs> ils ont abandonné, ils ont abandonné vers le 1600. Ouais, rotate côté opposé. Ouais, c'est bien, bien doser la, la, la distance et tout. C'est bien. Pas aller trop loin. C'est très très bien. Hein. Mais euh, mais vous êtes éclaté contre un bus quoi. Débute-toi, il fait là. Hop, re Alors, bon pour les, les, les démos 2v1, c'est le p1 qui déclare qu'il va démo et le p2 qui se prépare à tirer. Hein. Ouais, d'accord. <laughs> là, t'as pété un câble. Moi, bon, ouais, ton... non, mais diamant, je bum pas vu que je suis derrière. Mais là, euh, comme j'ai dit, j'ai envie de tout casser. Là, <laughs> bah, là en vrai, démo. là, le, le call de la, de la démo en 2v1 était bon. Hein. C'est juste que c'était pas à toi d'aller démo. Toi, tu devais tirer la balle, tu vois. Mm -hmm. <laughs> Ouais voilà, bon euh, là je dirais que vous êtes frustré parce que vous perdez des duels imperdables en fait. Ouais c'est possible. En fait... Alors, moi... Ça arrive assez souvent qu'on fait des 50-50 et que la balle se cache chez nous et qu'on n'arrive pas à la maintenir. Euh... Oui. Et vous n'arrivez pas à marquer. Oui. C'est frustrant oui. Mais c'est normal, en fait c'est terrible parce que comme vous êtes bien positionné, que vous avez un bon map contrôle, que vous avez des bonnes rotations, vous vous mettez systématiquement en situation favorable. Mais comme vous êtes éclaté contre un bus, bah vous n'arrivez pas à marquer malgré la situation favorable. Tu sais, t'es ce gars qui arrive toujours à avoir un penalty, mais qui arrive pas à en rentrer un seul, tu vois. C'est ultra énervant. Mmh, je vois, oui. Il y a des mecs, ils ont pas d'occasion de marquer. Tu vois Ils ball chase partout, ils font n'importe quoi. Euh... Tu vois, ils sont pas frustrés, ils ratent pas d'occasion, tu vois. Toi, t'as une occasion toutes les 25 secondes de plier la game, et comme t'as bien étudié le jeu, tu t'en rends compte. <rire> mmh. <rire> ce qui est pire, parce que tu sais que tu devrais la gagner cette game. Tu sais tu le sais d'accord oui. et du coup comme tu n'y arrives pas parce que tu n'es pas assez bon mécaniquement bah ça t'énerve oui, du coup vous commencez oui, à faire des erreurs à forcer là à faire des des, des, des des petits ball chase des petits commits parce que vous êtes frustré de ne pas réussir à passer contre des mecs qui visiblement font n'importe quoi les gars ils ont pas de boost ils sont en marche arrière ils ont une roue en moins ils arrivent à vous battre en duel ouais j'avoue que c'est grave vous n'êtes pas assez fort <laughs> C'est à dire, et que... mais tu sais que ça, ça va faire qu'empirer. Hein. Plus tu vas t'enfoncer euh... dans la perfection tactique et dans le machin, plus tu vas rester propre sur tes appuis et tout, et que tu vas décider de pas développer des nouvelles armes. Bah, bah ouais, il y a des moyens que ça soit ça. Parce que, bah, du coup, vu que nous on fait jamais de freeplay, on fait que du casu et ranked. Et euh... bah, ouais, donc, ouais. du coup, ce qui fait que vu qu'on jouait jamais, en fait, on a monté très vite. Genre le oui, C1, on a a... en un peu plus d'un an. Oui, ah, c'est ça. Oui. Vous devez pas avoir beaucoup d'heures, je pense. Vous êtes ces gars-là qui n'avaient pas beaucoup d'heures, qui jouaient smart et euh, et voilà. Vous, avez, vous supportez pas les noobars qui les débiles qui ball chase en solo queue. Vous, vous avez bien compris comment jouer. Vous avez fait l'effort d'essayer de comprendre le jeu. Et, et, vous êtes, et vous êtes face au mur déjà. Dès le C1, vous arrivez face à un premier mur. Un type qui a trois fois votre temps de jeu, il a le même elo que vous et il est pas plus fort que vous, hein. parce que je rappelle que le niveau d'un joueur, c'est l'addition de son niveau tactique, technique et mental. Voilà. Je rajoute le et mental euh, parce que j'aime le fromage. Cette blague est nulle, mmh. mais surtout parce que il euh, y en a qui stilt très vite et ça a atteint énormément. J'étais plus rapide eux. Et euh... <laughs> ouais, c était, c était <laughs> un bon avis. Euh... <laughs> et, et, et du coup, si on additionne, bah là, votre, votre niveau tactique, technique et mental, bah vous êtes largement niveau C1. Mais vous avez mis tous les points dans le, dans la tactique, quoi. Techniquement, c'est trop faible. En face, c'est des débiles, ils, ont, ils comprennent rien à ce que vous faites, ils, ils ont que quelques occasions maladroites, mais ils sont tellement plus rapides, tellement plus précis, tellement. Ils arrivent à défendre contre des tirs pas ouf, tu vois. Du coup, bah, tu vas tirer 50 fois dans ta game, mais tu vas la perdre parce que 50 fois, le type qui, qui est débile va faire l'arrêt et donc tu perds, tu vois. Ouais, je comprends, oui. Et donc, du coup, ça, ça a atteint votre niveau mental, et là, vous êtes, euh, vous perdez des games parce que. bah. Votre niveau tactique souffre de votre niveau mental qui baisse. Et du coup, vous avez, on n'aura plus rien, quoi. On a des très belles rotations, euh, mais euh, des fois des petits pétages de plomb qui sont instantanément punis, parce qu'en plus en duel, vous n'arrivez pas à les gagner en attaque, mais en défense, vous les perdez. Dès que vous êtes en situation défavorable, bah, vous vous faites soulever. Et du coup, bah c'est. C'est. Voilà. Au bout d'un moment, vous, vous, vous ne pourrez pas aller plus haut au bout d'un moment. Vous allez être bloqué par ça. Ouais, donc euh, en fait, on est d'accord, c'est en plus les mechas qui bloquent beaucoup chose quoi. Là, on, là, on sent le tilt sur cette game. Il y a des commits et tout, mais quand tu t'appliques bien, on sent bien que t'as tout compris. En fait. On, pourrait tout, on peut toujours critiquer la tactique, tu vois. On peut toujours aller chercher une optimisation des pads, euh, un timing. T'as pris un peu trop rapide, si t'avais pris un timing un peu plus court, tu vois, t'aurais pu euh, gagner 3 pads, tu vois. Genre euh, dans ta rota backpost, est-ce que t'as pris cette ligne de pad ou celle-là, tu vois, par rapport à la position de les adversaires et tout. Tu sais, moi je peux aller te faire chier, euh, moi je peux, faire, je peux te faire 20 minutes hein, sur une rota, hein, j'en ai rien à foutre, hein, c'est pas mon problème, je fais ça avec les jours pro. <laughs> ils ont <laughs> horreur de ça d'ailleurs. Mais euh, tu vois, tu peux toujours aller casser les couilles, tu vois. Mais là, toi, là, là, de ce que je vois, c'est bon. Enfin, gars, il y a quelques trucs à optimiser, mais c'est 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 bon. T'as compris le jeu maintenant. Quand t'as la balle, du boost et un type en face, en PLS, prêt à se bump avec son pote, il faut que t'arrives à marquer le but, quoi. Ouais, je vois. Et ça, euh, en fait, c'est pas un jeu d'échec Rocket League. Hein. Mmh, je vois et euh, en termes de méca je trouve que ce qui est bien c'est qu'avec euh, Diamant au moins on se comble à peu près Parce qu'en fait dans le sens où euh, lui au sol il est plus solide en termes de 50 il est permanent souvent que moi Et en fait moi c'est la même mais dans les airs mécaniquement euh, je suis un peu plus élevé dans les airs je trouve Ah non mais vous n'avez pas zéro au au méca seul... hein. Et au sol euh, par contre en termes de flic et tout je suis mauvais quoi ou pour dribbler Voilà dès que t'as la possession que t'as de l'espace tu sais pas trop quoi en faire quoi et tu rends la balle et tu commites dans le coin d'en face. Ouais, voilà. Tactiquement, c'est pas ouf. Hein. Tu sais, des fois, c'est presque mieux de rater la balle que de la rendre à l'adversaire. Tu vois ce que je veux dire mmh. Le problème, c'est que si tu sais pas bien la catapulter, cette balle, bah, au final, des fois, euh, t'en es amené à te dire qu'il y a pas de solution, tu vois. Si t'es pas capable. Si, si un mec t'attend en défense et que t'as une bonne balle pour tirer, tu tires, tu fais une passe au goal, t'es d'accord Ouais. Si tu ne sais pas la contrôler, qu'est-ce qu'il faut faire euh bah un slow 50 Rien Limite Barre toi déconnecte le jeu T'as rien à faire il Y'a <laughs> plus de... Tu vois ce que je veux dire il a plus de bonnes solutions D'accord Si t'es pas capable... Bon évidemment on fait pas ça Mais tu vois ce que je veux dire Si t'as une position de tir... Je, je sais pas du tout la musique, euh, ce, qu ce qui se passe avec la musique C'est euh, C'est un remix Bizarre No copyright song hein, euh, bizarre Mais oui effectivement euh... C'est... C'est un autre style pas mauvais hein, mais c'est vrai que je comprends que ça surprend là euh, honnêtement t'es un peu ce gars qui euh, c'est ça t'as as un gardien t'es loin du but t'as une position de tir ou de contrôle si tu tires tu vas faire une passe au goal parce qu'à ton niveau ils vont pas se faire avoir t'es pas assez fort mmh. en tir à mettre une lucarne à 120 mais ça tu n'en es pas capable ton tir sera pas assez fort il sera bien sûrement hein, mais pas assez fort tu ne peux pas la contrôler si tu la contrôles tu vas rater et donc euh, te faire un challenge et ça va faire un gros dunk et tu vas te prendre un but. Donc euh, bah désolé mais tactiquement le mieux c'est encore que tu fasses rien en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Si le mec ouais, ne vient pas, pas t'affronter. Parce que dans ça tu arrives, tu arrives à prendre des challenge en fait. t'es pas mauvais en challenge. Quand un mec fonce sur la balle, tu fonces sur la balle aussi, il y a un 50-50 et ça c'est OK. Tu arrives à challenge. C'est pas cette phase de jeu là que tu pas. Si les mecs ne te font jamais dessus, je suis sûr que tu marques pas en fait. Là, t'as un petit malin en face qui te voit venir, tu vois. Imagine, il smurf, il, il, il arrive à te capter, tu vois. Bah, il va jamais il va jamais te change, il va juste fake change tout le temps. Tu fais quoi contre un mec qui fait que de fake change Euh. S'il fait que de fake challenge, je pense que euh, je, vais prendre, je vais mettre quand même un peu de temps à comprendre qu'en fait, il va faire que de fake challenge, puis après, je vais faire que de foncier dans la balle, quoi. Ouais, enfin, mais mais bon, ça se bien, la bien la ça. De ça de hein. de ouais, voilà, tu vas essayer. <laughs> Est-ce que tu vas y arriver Genre en vrai, voilà, premier si degré pour sais, vous battre, euh, moi ce que je fais c'est que bah, je vous fais une passe. Je mac. Bah ouais Tu fais quoi J'essaie bah, de la contrôler, puis j'essaie de passer. J'essaie de la quoi, contrôler, tu, tu te mets en position de faiblesse, je, je te dunk, je marque un but, mais je fais ça trois fois, puis tu surènes dans 3-30. <laughs> je, ouais je prie, ouais, ouais c'est ça. <laughs> non, mais sans déconner, tu vois ce que je veux dire Ouais, euh, J'adore ouais. les échecs. Non, mais tu... non, je déconne, mais tu vois, tu il vois, y, y, y a une grosse faiblesse dans ton gameplay là, qui est tactiquement un problème, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu as compris la tactique de, 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 dans les limites de tes mécaniques, tu vois. Genre, la meilleure défense quand un type monte sur le mur, c'est d'aller sur le toit, hein, je rappelle. Il hein. y a pas mal de joueurs dans ce chat qui ne, peuvent, ou ne pourront pas le faire, tu vois. Moi y compris d'ailleurs. Parce que... Il y a des tactiques qui sont inaccessibles par l'incapacité mécanique, c'est ça la phrase. Certains, certains pans du jeu te sont inaccessibles, parce que tu n'as pas les mechas. D'accord, je vois. Gros, ça, ça de, Du coup, on manque de solutions quoi. Et bah c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des situations où vous n'avez pas de solution. La solution elle est mécanique. C'est un jeu mécanique Rocket League. Donc ouais, il faut ouais. que apprennes à trouver un moyen, quand t'as du boost et de l'espace, de créer une menace. Ça peut être euh, le grand to hard dribble, ou set de, de setup des petits air dribbles, ou de faire des backboards, hein. si arrives à balancer très fort la balle sur le backboard et aérienne, ça peut être une solution aussi. Pas toujours bonne parce que ça défend le backboard en C1, mais ça c'est bien de connaître cette solution. Ça peut être le bounce dribble, ça peut être le control into flick, mais il faut que aies quelque chose. Tu ne peux pas ne rien avoir dans cette situation. D'accord, je vois. Si t'as rien, et que les mecs t'attendent, tu vas juste être frustré, ils vont faire que te défendre et tu ne pourras pas marquer. Contre des mais mecs qui ne se jettent voir. pas, tu ne pourras pas marquer. Ok, d'accord. Et du coup, t'as perdu. Et je te promets des grosses frustrations. Tu penseras à moi. <laughs> d'accord, oui. Un gars là qui se jette pas sur toi et qui défend proprement, tu ne marqueras jamais. D'accord, ouais, c'est Il faut bosser les mecs un peu plus au et... sol, euh, genre euh, notamment les bonnes stable, quoi. Enfin, quelque, tu dit cho très souvent. quelque chose, quelque oui. <laughs> chose, quelque chose qui fait que le mec en face, en fait, si tu n'as pas d'arme, il n'a pas de raison de te challenge. C'est ça que les gens. C'est le stade où vous êtes, tu vois. J'en ai désolé, j'en reparle parce que c'est hyper important. Le premier stade, c'est tout le monde fonce et fait n'importe quoi. Du coup, il y a des open tout le temps. Au bout d'un moment, les mecs réfléchissent et se disent Bon, lui, là, dès qu'il a la balle, il fonce dessus et il tire. Et je vais l'attendre dans mon camp qui me rende la balle. Comme ça, moi, je peux retirer quand il me fonce dessus, tu vois. Comme tu dis, je l'ai dit dans un short, mais je répète. Là, toi, tu fais challenge, donc tu récupères tous ces mecs-là, tu arrives à les. Mais, et, et, mais tu n'as pas les mécaniques pour. Si quelqu'un fait ça contre toi, marquez. Mmh, tu n'as pas vois. la solution mécanique. Si tu... C'est pour ça qu'à très haut niveau, les gens, ils foncent tout le temps. Déjà parce que, avec plus de 15 mille heures de jeu, on devient fou. C'est la raison numéro un. Mais la raison numéro deux, c'est que si moi je laisse un top player, à... je lui laisse la balle, je vais me faire défoncer. Je ne peux pas le laisser jouer. Donc je fonce. Ouais, voilà. Parce qu'il aura toujours la solution pour... Euh, Parce pour que battre. lui, si je le laisse faire, si je le laisse faire, il va sortir sa méca et ça va être la catastrophe. Il dispose d'armes qui me forcent à lui foncer dessus. Donc il peut me battre comme toi tu bats ceux qui te foncent dessus. Tu vois D'accord, oui. Je vois, ouais. Donc les prises d'infos, les cinq ans... C'est pas la même façon d'attaquer quand t'as un mec qui te fonce dessus ou pas. Ok, j'essaie de reformuler, hein, évidemment. Hein, on est dans la reformulation. C'est pas la même façon d'attaquer si t'as du boost et de l'espace, ou si t'as des mecs qui te foncent dessus. Tu peux être plus ou moins bon dans l'un ou l'autre des domaines. Ok, mais mm -hmm. d'un point de vue d'un défenseur, quel intérêt de foncer sur quelqu'un s'il ne peut rien faire si on lui fonce pas dessus Ouais, je vois. <laughs> tu vois C'est ça que j'essaie de dire. Si tu n'es pas, si pas menaçant, si tu n'as pas de méca pour punir un mec qui te foutrait la paix, pourquoi, pourquoi il te foncerait dessus bêtement Ouais, c'est ça, oui. Donc, s'il est assez bête pour le faire GG, tu vas gagner. En mettant des petits buts avec tes petits power shots et tout, avec vos petites mécas qui ne sont, qui sont pas mauvaises non plus, faut pas déconner. Mais très simple, très basique. Si le mec il a capté ça, que vous avez, pas, que vous avez rien dans votre. Si, si il capte que votre barrier, votre flingue est vide, eh ben, il va juste pas y aller. Il va faire que de fake challenge et là bah ouais je vois <rire> tu <rire> peux pas marquer <laughs> tu vas ouais, faire des tirs cool. nuls il va faire des saves il va la contrôler puis il va... lui il va s'amuser il va te freestyle dessus et au bout d'un moment il va finir par y arriver même s'il rate dix fois il sait que de toute façon tant que t'as pas d'open tu marques pas donc euh... d'accord je vois donc tu dois développer une menace tu dois développer une menace pour punir des gens qui te laisseraient de l'espace et du boost voilà c'est ça ce que tu dois faire peu importe ce que c'est. Ça peut être monté sur le mur et triple reset, je m'en fous. Bon, je te déconseille. Mais tu vois, je veux dire, à la, à la limite, j'ai même pas de conseil à te donner. T'es assez intelligent visiblement pour, euh, pour réfléchir tout seul. Mais là, il y a une faille dans ton gameplay qui est béante. C'est quand tu as du boost et la balle, qu'est-ce que tu fais Et de l'espace. Mmh. Voilà. Tu peux pas faire quelque chose de dangereux à part un petit bounce dribble et un petit power shot. Si t'as que ça, c'est pas assez. C'est pas suffisamment bon. Mmh, un, mec avec deux avec un mec avec deux pas dans marche arrière, il va te faire un save. T'arrives tu... à un niveau où les défenseurs seront trop forts pour que ça marche. Ok D'accord, Donc... je me concentre sur les tirs et puis des fois, euh, euh, j'attends que la balle me revient dessus, je la lève et puis je tire direct. Quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est méga, méga, je régule assez souvent aussi. C'est une solution qui est bien, mais visiblement, il t'en manque. Sur les games qu'on a regardé, il manque des, il manque des, des, des solutions. Il y a des trucs qui vont pas. Il y a trop de moments où tu es vraiment en situation ultra favorable et tout ce qu'on a, c'est un tir assez moyen et où le gars save la balle et on est reparti pour une petite rota à back-post. Hmm, D'accord. Donc c'est dommage. Si là, toutes tes occasions favorables, tu les marques, tu gagnes toutes tes games 1-0. <laughs> <C 'est> vraiment, <laughs> t'as beaucoup trop d'occasions de but. Hein. Il y en a énormément. Et ça, c'est parce que t'as un bon positionnement, un bon boost management, des bonnes rotations, une bonne communication avec ton mate. Tout le reste est hyper, hyper, hyper élevé. Ouais, d'accord, je vois. Mais j'ai beaucoup d'hésitations aussi, mais c'est... Euh... L'hésitation, ça, ça vient aussi du niveau mécanique. Hein. La confiance en oui. soi, tout ça, c'est lié au niveau mécanique. Hein. Un type qui, dans n'importe quelle position, peut arriver à contrôler la balle sur le nez et reset selling il a pas peur d'être dans une situation défavorable. Hein. Plus t'es bon mécaniquement, moins t'hésites. Hein. Ça va ensemble. Mmh, je comprends. Ah bah ouais hein. Bah oui. Ceux qui, sont, ceux qui sont loin là, qui peur du power shot, hein. c'est des gars parce qu'ils savent pas reverse aériole, ils arrivent pas bien à décoller, tout ça tout ça quoi. -même, ils, ils savent qu'ils vont être en retard donc ils se dépêchent de revenir. Et oui donc ils ont peur, ils ont peur de, 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 de rater parce qu'ils savent qu'ils sont pas très bons du coup ils sont mal positionnés tu vois. là L'un de l'autre tu vois. <laughs> ouais c'est compris. Voilà voilà donc c'est évidemment, hein, as, voilà encore une fois hein, vous avez un très très bon gameplay mais au bout d'un moment, ça va bloquer. Surtout, que, surtout que ça va être d'autant plus long que vous, avez, vous ne travaillez pas vos mécaniques. Donc en fait, ce qui va se passer oui. là, si vous ne faites rien, c'est que vous allez être absolument imbattable contre des mecs moins forts que vous. Ils ont aucune chance. Je pense que vous êtes les mecs euh, qui doivent vraiment avoir un halo qui doit être très régu, j'imagine. Alors voyons, c'est un peu le bordel avec les smurfs et tout. Mais je vous vois vraiment pas perdre contre des mecs pas très forts parce que vous êtes tellement fort tactiquement que bah je... Si vos mechas de base passent, bah vous gagnez tout. Il hein. n'y a, y a, votre... a pas trop de faille dans votre gameplay. Donc euh, des mecs pas assez forts pour vous outplay, ils n'ont aucune chance, tu vois. Mais euh, des mecs suffisamment forts pour vous défendre tout le temps, vous ne pouvez pas les battre non plus. Donc là, vous allez devoir pro... Votre niveau sera indexé sur vos mechas in-game que vous allez apprendre in-game. Donc ça va être là, vous avez une progression ultra rapide en C1, et là ça va être la pente ultra lente pour monter, parce que ça va mmh. être vos vos mechas, vos mechas quoi. Ils vont monter, moi. si vous jouez beaucoup, elles vont monter en game, mais tout doucement, parce que apprendre en game, quand t'es pas kaidop, bah ça prend du temps. Ouais d'accord, bosser surtout les mechas utiles quoi, donc les mechas au sol, les bands rebelles, puis les air aussi. Une ou deux. Une ou deux méca, alors ça j'en avais parlé, mais j'en ferai peut-être une vidéo. Où il faut deux méca à mur, deux méca sol, avec ou sans bounce, deux méca de tir, tu vois, et c'est suffit. Faut pas partir dans tous les sens. Je trouve l'idée de, de bosser son car contrôle et improviser en game, c'est quelque chose qui fonctionne, mais sur le très long terme à court terme, ouais, bosser une tactique offensive, une méca toujours la même, que vous perfectionnez. et ensuite, quand votre car contrôle global va augmenter, vous pourrez plus vous adapter. <laughs> moi, typiquement, j'appartiens à la team car contrôle. c'est pour ça que j'apprends lentement. mais oui. c'est, à mon avis, pas la manière la plus rapide d'apprendre. il vaut ouais, mieux bosser gros, gros. un ou deux trucs. Et les appliquer bien cerner les avantages et les inconvénients de ta méca, puis passer à la méca suivante. <laughs> D'accord, je comprends. Ok, ouais, très bien. C'est enregistré. On est bon. Bon, t'as des questions euh... Non, ça va. Euh, je, voulais aussi... je voulais te demander. Je suis pas sûr qu'il y ait le temps. Euh, tu veux pas regarder la troisième game du coup ah, Ça fait plus... déjà une heure là, je pense. Ouais, c'était bien bon. de parler. Je vais avoir la même chose. Surtout que ce sera peut-être la même chose. Je vais voir la même chose. Je n'ai pas besoin. C'est pour ça que je préférais qu'on discute. Je pense que c'est plus intéressant pour bien que tu comprennes. Plutôt que de regarder encore tes très belles rotations. Non pas qu'elles ne sont pas belles, mais je sais ce que je vais voir. Donc... Ton gameplay de toute façon est trop bossé... Enfin, ça va être toujours la même chose. Vraiment. Voilà. Il y a quand même quelques petits trucs tactiques. On les a évoqués au début lors de la première game. N'hésite pas à y faire un peu attention. Sinon, bah voilà carte en main donc là quand vous jouez bah faites vous 30 minutes de training 30 minutes mm -hmm. de free play ou faites des 1v1 T vous êtes deux bossez des techniques offensives en 1v1 faites un petit 1v1 privé boost infini tu donnes la balle à ton pote et il doit essayer de te marquer un but en 1v1 et chacun son tour pas mal pour s'entraîner mm -hmm. à prendre des duels ouais je vois oh, bah oui c'est vrai. vrai franchement de... vous vous marrez ça. bien c'est pas temps ça fait de l'échauffement et vous apprenez à la fois à attaquer et à en plus à défendre donc, si vous êtes deux, profitez-en. Ouais, Moi, j'avoue, c'est bien. Ça peut, être une, ça peut être une solution. Faites ça 30 minutes. Et après, vous allez faire ouais, vos ranked. Ok, d'accord. C'est mieux que de faire de la normal game, en tout cas. <laughs> normal oui. game, euh... c'est. Bah voilà. Oui, pouvez, nous, l'occasion, on fait deux, trois games pour les choses manques. Après, c'est direct au ranked. Ouais. Alors que bosser un peu vos mechas, c'est pas mal. Ok? Mmh, ça On marche. est bon? Très bien, merci. Ouais, ça marche, merci. Eh ben écoute, c'est parfait. Euh, bisous à vous, entraînez-vous bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Et... merci pour le temps. Et amenez-vous bien, bah, merci à vous. Et puis, bon courage, tu me tiens au jus? Ouais, très bien. Je Et te puis, je m'occupe de ton mate dans pas longtemps. Ouais, d'accord. <laughs> 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 Allez, salut, salut je là aussi. Ça marche, merci. <laughs> Bonne soirée. Très, très fort, hein. C'est faux comme il y en a qui comprennent bien. Ça me rassure parce que ça veut dire que. Je dis ça à chaque fois, en vrai, c'est pas les premiers. Mais t'as vraiment des mecs qui comprennent bien. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment. Euh... C'est compris quoi. C'est bien compris. Il a bien, ils ont bien compris les, les différentes phases de jeu. Il a même absorbé la pression un moment. Euh... Puis à côté, il y a les mauvais élèves. Hum mm -mm -mm. Ah, après je pense, la vérité c'est que je crois que ça dépend aussi beaucoup. Enfin, tout le monde n'a pas le même cerveau, tu vois. Je pense que ceux qui comprennent bien, c'est ceux qui ont des cerveaux qui doivent ressembler au mien, tu vois. Genre on a la... il y a vraiment des façons de penser différentes, des logiques différentes entre les gens. Ceux qui comprennent bien comme ça, c'est juste qu'ils ont la même façon de voir les choses, tu vois, comme moi. Du coup, ils comprennent ce que je dis. Et il y en a même avec la, toute la bonne volonté du monde, ils ont un cerveau qui fonctionne pas pareil. Ça veut pas dire qu'ils sont cons, hein. Ça veut dire qu'ils ont un cerveau différent en fait, qui fonctionne pas de la même manière. Et du coup, bah c'est plus compliqué, tu vois. Une méca à prendre en C1, t'as un peu de place là oh, Moi c'est le bound dribble, hein. T'as un peu de place, t'apprends ça là, hop, tu sautes et puis tu tires, hein. C'est vraiment. Euh... Tu vois, tu fais des crochets, hein. Moi j'aime trop ça, hein. T'arrives à bien pousser la balle, mais. L'idée c'est vraiment de pousser la balle avec ça je massacre le ladder euh, diam 3 euh. T'attends qu'il a... Alors c'est bien en plus parce que ce qu'il faut c'est que ça vous apprend à... Ça vous apprend à regarder où est l'adversaire tu vois. L'adversaire il arrive sur toi, tu décales la balle sur le côté tu vois, il en reste plus qu'un, l'autre il s'est pris le mur, il vient pas, tu pousses un peu, hop tu décales la balle, hop là tu peux fake, tu peux tirer, tu vois. Ça m'étonne pas que Fakes vous conseille ça, c'est vraiment un euh, mecha... Euh... Tu vois tu, tu la soulèves et hop là t'essaies de tirer en hein, pas crossbar évidemment, n'est-ce hein, pas rasme le temps Mais Tu vois hop tu la prends il vient pas Bah ok si tu viens pas bah je tiens Pas sur la crossbar bien sûr Vous voyez Il vient pas Hop il arrive Je la décale Hop là là j'ai raté Nul il arrive, hop, je la soulève, je bats. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à changer la trajectoire de la balle un peu avant que l'adversaire arrive, tu vois. Hop, il arrive sur moi, hop, je, je décale la balle, hop, je redécale la balle, et là, je marque, open, tu vois. Peux... C'est trop facile, en hein, diamant, de dribbler deux joueurs comme ça. Ce qu'il faut, c'est un bon timing, tu vois. Quand le mec arrive, hop, tu la décales. Le deuxième arrive, hop, tu la redécales. Et là, souvent, t'as un open net, tu vois. C'est vraiment, vous devriez marquer que comme ça à bas niveau. Hein. Et hop si t'en passes un et que l'autre il est loin, bah il faut que t'arrives à la pousser, à te rapprocher, et dans l'idéal après, tu la contrôles et tu de flic quoi. Non, Salt Mine, c'est lundi. Bon, bah écoutez, euh, il était bien ce coaching, vachement intéressant. Euh, désolé pour tout à l'heure, hein, pour ceux que t'es là, vraiment les games m'ont trop tilté, euh, ça me fait trop de peine de ne pas m'amuser dans Rocket League. Genre vraiment j'aime toujours tellement le jeu. Mais bon. A, les, les games sont trop catastrophiques en fait et ça me fait de la peine. Je pense que c'est encore... Il y a des jours avec et des jours sans aussi, hein. donc euh, là c'était visiblement un jour sans... Euh, j'ai besoin de repos je pense. Euh, là je vais aller sur ma chaîne secondaire pour ceux que ça intéresse. J'ai envie de passer partenaire avec la chaîne secondaire. En ce moment je fais du Elden Ring. Ça me change un peu les idées, je vais pas vous mentir. Euh, c'est pas du tout que j'aime pas Rocket League, hein, vraiment pas. Euh, mais juste là, j'ai peut-être fait une overdose, j'ai beaucoup joué en vrai récemment. Euh, il faut que je fasse des pauses. Donc euh, là, euh, en ce moment, c'est plutôt... Je vais bosser mes mécaniques quoi. Sur Rocket League, je vais faire du free play. J'ai envie de progresser mécaniquement. Euh, je pense qu'il y aura des. Il y aura surtout la semaine prochaine des lives euh, de type divertissement. Ou peut-être je vais pas trop jouer, on verra. Hein, peut-être je vais changer d'avis. Hein, si j'ai hyper envie de jouer. Euh... Mais euh, là, ça me casse les couilles. Hein. Voilà, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un live. J'ai fait une vidéo là-dessus, Samy. Si tu veux aller la voir, je te la, je te la recommande. Hein. Ma routine d'entraînement, c'est... Euh, c'est ce que je faisais avant quand j'essayais d'être bon au jeu. Euh, donc ce que je vais faire là, c'est que je vais juste lancer mon live sur ma chaîne secondaire. Okay et je vais m'auto-raid. Donc vous avez même pas besoin de bouger si vous voulez rester. Je vais faire un peu d'Elden Ring. Et euh, ensuite, je vais me reposer. Demain, je ne streamerai pas, ni, euh, ni après-demain, ni dimanche. On se retrouvera ensuite lundi. Euh, Peut-être dimanche soir sur la chaîne secondaire. Mais euh, mais c'est tout. Voilà, voilà. Alors j'ai changé le nom de la chaîne secondaire. C'est toujours Razmelter Multigaming, mais il euh, y, y a un tiré maintenant. Voilà, voilà. Allez, ah, petit raid pour ceux que ça intéresse. Je vais explorer un gros donjon sur un château. Ou je vais essayer en tout cas. Sur Elden Ring. Voilà voilà. GG, euh, Belgix Regis, GG. Allez à tout de suite pour ceux qui restent. Sinon des bisous les autres. On se retrouve lundi pour le Salt Mine. Ce sera 19h je crois, mais je l'aimerais probablement un peu avant. Je vous fais des bisous. Salut. Prenez soin de vous. Et à tout de suite pour Elden Ring.